Grosse frayeur pour Caroline Barclay, alors qu'elle se trouvait samedi à un dîner organisé par la Maison Dior au Polo Club de Saint-Tropez. La veuve d'Eddie Barclay a dû être hospitalisée en urgence, révèle ce lundi Pure People. Victime d'une paralysie du bras droit et de fortes douleurs, malgré la prise de calmant, la huitième et dernière épouse d'Eddie Barclay a dû se résigner à se rendre au pôle de santé du golfe de Saint-Tropez à Gassin. Craignant un AVC, les médecins ont rapidement pris la décision de la transférer à l'hôpital militaire de Toulon pour une série d'examens. Fort heureusement, cette batterie de tests n'a rien révélé d'anormal et Caroline Barclay a pu regagner lundi son hôtel de Saint-Tropez avec comme prescription une bonne cure de repos.